Merci beaucoup Françoise, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci, je suis ravi de savoir que mon roman vous a plu. Thème, c'est une question difficile parce que j'ai voulu parler de beaucoup de choses. Mais je dirais que si je devais en retenir qu'une seule, ce serait l'hermétisme du monde. Comment, d'une certaine manière, le monde nous est toujours inaccessible. C'est-à-dire que Vi, Neil et Kael. Oui, Eric, ça se prononce Vi, Neil à l'américaine. Donc, qu'est-ce que je racontais? Pardon. Oui. Les deux personnages, le lien entre les deux histoires, c'est que personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Ni l'idiot du village, ni la guerrière intergalactique ne parviennent à comprendre leur monde. Ça m'est venu comme ça. 1500 pages, c'est beaucoup, certes, mais pour moi, c'est plus long que difficile. Écrire, en fait, c'est surtout écouter. Écouter les personnages qui grandissent par eux-mêmes et les laisser vivre. Alors là, Françoise, laissez-moi vous dire que je suis pas du tout d'accord avec vous. Les écrivains, Françoise, ce sont pas des machines. Enfin, j'ai l'impression d'entendre ma femme, en fait. C'est pas une histoire de recherche et de référence. C'est une histoire d'écoute et d'envie. Le plus grand talent d'un écrivain, c'est son désir. Vous me ramenez à des souvenirs difficiles, mais je vais vous en parler parce que ce sont des choses importantes. J'ai commencé à écrire lorsque j'ai démissionné de mon ancien travail. J'étais administrateur dans un lycée, donc autant vous dire que c'était pas très stimulant. J'avais l'impression d'être enfermé dans une routine mécanique. J'ai tout lâché pour écrire. C'est un mauvais souvenir parce que j'ai jamais écrit de roman. Pardon? J'ai jamais écrit de roman. Ni celui-ci, ni aucun autre. Vous avez menti sur un sujet aussi important? Oui, j'ai menti. Alors, Vinail, Kael, Sadae, tous les mots, toutes les phrases, ça n'existe pas? Rien, pas une ligne. Pendant 7 ans, depuis ma démission, j'ai jamais écrit une ligne. Mais ce roman, vous l'avez bien écrit à l'oral pour votre famille. Pourquoi avoir poussé le mensonge aussi loin? Je passais mes journées à ne rien écrire, il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. Mais comment avez-vous pensé à ça? C'est pas ce que je voulais, mais... Ce qui m'arrivait était trop atroce, alors... Il fallait que je trouve quelque chose. Qu'est-ce qui était trop atroce? Au début, je me plaisais bien dans mon travail. J'aimais mes collègues, j'aimais les élèves. Et puis un jour, ils sont tous venus me voir et ils m'ont dit la vérité en face. Tu casses les couilles. Tu fais pas attention aux autres. T'es chiant, t'es égocentré, t'es désagréable. T'es insensible, t'es insupportable, t'es un monstre, t'es violent, t'es toxique, t'es insupportable, t'es méprisable. Méprisable! Peut-être que j'exagère, mais c'est ce que j'ai compris. Ils m'ont dit que j'étais devenu oppressant et prétentieux. Les uns après les autres. Deux profs, une collègue, ma supérieure, 3 élèves. Les uns après les autres. Alors pendant 7 ans, j'ai fait semblant. J'ai mangé. Dormi. Rien de plus. Ça lui paraît atroce, mais comparé à la honte, le vide c'est plutôt apaisant. Toi, j'ai foutu ton adolescence en l'air. Toi, je t'exploite comme mon esclave. J'ai appris à être vide, alors je me sens même pas coupable. À la limite, je pourrais vous dire merci.
Merci. Du coup, la moteur. Ça tombe. Ok. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C'est vraiment arrivé. Au sommaire de l'émission ce soir, une savoureuse anecdote impliquant un employé d'hôtel et un extincteur, une incroyable histoire de mafia et de répondeur téléphonique, et enfin, un terrifiant récit de défunts qui reviennent à la vie. Ce soir encore, vous vous demanderez si c'est vraiment arrivé. Notre première histoire se déroule dans un hôtel, où Romuald, son prénom a été modifié, travaille comme réceptionniste. Et ce soir, c'est nous qui le réceptionnons, mesdames et messieurs, Romuald! Bonsoir Romuald, alors dites-nous, que vous est-il vraiment arrivé? Bien, je faisais ma tournée de surveillance générale, comme d'habitude, à chaque étage. Et en arrivant au premier, je vois de la fumée sortir d'une chambre. Bien entendu, vous réagissez au quart de tour. Évidemment, on ne plaisante pas avec la sécurité incendie. Donc je saute sur l'alarme, je fais évacuer le bâtiment. Tout le monde panique, tout le monde crie, mais vous gardez la tête froide, vous sautez sur l'extincteur et vous entrez dans la chambre. Exactement. Et j'arrose sans réfléchir. Sauf que, au lieu d'entendre un bruit de feu qui s'éteint, tout ce que j'entends, ce sont deux personnes pleines de mousse qui hurlent. Parce que... Eh bien, parce que vous les aviez interrompus pendant l'acte. Mais dites-nous, Romuald, pourquoi y avait-il de la fumée? C'est quand j'ai vu que monsieur portait un costume de pompier que j'ai commencé à comprendre. En fait, ils avaient installé une machine à fumer. Après l'incident, ils nous ont confié qu'ils avaient toujours rêvé d'expérimenter des jeux sexuels sur le thème de l'incendie. Ah, attendez, Romuald, je crois que nous avons une réaction du public. Excusez-moi, mais ils auraient dû se douter que ce serait un problème de faire de la fumée dans un hôtel, non? Et puis, les détecteurs de fumée auraient dû déclencher l'alarme directement, je crois. Enfin, c'est une histoire complètement invraisemblable. Jamais rien dans un hôtel. De toute façon, hein, on n'en serait pas là si tu nous avais pas foutu dans la merde avec ton faux roman, hein? C'est à cause de toi que je passe mes nuits à me faire chier dans un hall vide. Oui, j'ai menti. Aucune histoire n'est vraie. J'ai jamais vu des croque-morts construire une cabane. J'ai jamais vu quelqu'un invoquer Satan dans sa chambre. J'ai jamais retrouvé un bébé crocodile dans une valise. J'ai jamais interrompu un couple avec un extincteur. J'ai jamais rien vu, rien entendu, rien vécu. Alors oui, j'ai menti. Mais je suis pas comme toi, putain! Vous me croyez? Hein? Lui, c'est qu'un fils de pute qui ment pour vivre au crochet de sa famille. Mais moi, je suis pas égoïste, hein? Un soir, à l'hôtel, je me faisais tellement chier que j'ai inventé une fausse anecdote. Elle aurait été super drôle si elle avait été vraie. Et quand je suis rentré le matin, après ma nuit de travail, je voulais raconter. Comme si c'était vraiment arrivé. Et ça vous a fait plaisir! Vous étiez joyeux! Vous étiez content! Dans ma vie toute plate et toute vide, soudainement, j'avais un pouvoir. Un pouvoir lumineux, quelque chose qui remplit. Je pouvais rendre les gens joyeux. Je pouvais servir à quelque chose. Alors évidemment, j'ai continué. J'ai plus fait que ça. Peut-être que c'était faux,
Mais on s'en fout de la vérité, tant qu'on a la joie. La vérité, c'est pour les gens tristes. La joie, c'est plus beau que tout. Le reste, c'est de la poussière. Je comprends pas. J'ai une grosse boule de douleur et c'est pas normal. Regarde-moi. Quel gros con, putain. Peut-être que sans lui, je serais jamais venue ici, mais j'aurais pas mal au ventre et envie de vomir. Évidemment, le gros con, c'est toi. C'est ta lâcheté qui a fait tout ça. Pourquoi avoir mal? Il n'y a aucune raison d'avoir mal. Je suis pas coupable. J'ai bien le droit de tromper mon mari s'il me trompe avec une feuille vierge. C'est quand même ridicule de... Ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Je suis trop vieille pour devenir lesbienne. Je suis trop vieille pour devenir heureuse. Ça, c'était le premier jour. Il y a 7 ans. Regarde comme j'avais honte. Regarde comme j'avais mal. Rappelle-toi seulement que c'était le premier jour. Et qu'il était moins dur que tous ceux qui ont suivi. Je dois y aller. Ils doivent m'attendre. Je me suis énervée avant de venir ici. Tu te rends compte? Je venais de vivre ce qu'on appelle une libération. Et à quoi je pensais? À te rassurer? Pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi est-ce qu'on me force à subir? Si j'avais su ce que ça ferait, je t'aurais jamais trompée. Mais une fois que t'es tombée dedans, impossible d'en sortir. Je te trompe? Alors, je sens la honte de l'adultère. Alors, je te fais à manger sans me plaindre. Alors, je sens la honte d'être soumise. Alors, je te trompe. Je sais à quoi tu penses. Pourquoi elle culpabilise? Elle a aucune raison de culpabiliser. Elle est libre. Mais la liberté, ça veut rien dire pour quelqu'un qui a toujours été libre. C'est facile pour toi. T'es pas une mauvaise épouse, t'es pas une mauvaise mère. Je suis désolée, mon ange. Je suis désolée. Tout ce que j'ai dit, c'était pas pour toi. Je suis faible. C'est pour ça que j'ai mal au ventre. C'est pour ça que même me rendre compte que j'étais lesbienne, ça m'a pas rendue heureuse. Toi, t'as la force qu'il faut pour le bonheur. Mais tu fais les mêmes erreurs que moi. Tu te préserves. Si j'avais ton corps, maintenant, je baiserais avec plein de femmes. Et surtout, surtout, jamais je me marierais avec un homme. Et toi qui as ton corps ici maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des notes sur nous? Écoute. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Mais quand je te dis ça, tu peux me faire confiance. Arrête de te préserver. Tu fais erreur.
De toute façon, la vraie vie est absente. Peut-être que c'est moi qui fais erreur. T'as rien à voir avec moi. T'es tellement forte que j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à l'admettre, c'est ça. T'es tellement forte que je suis juste jalouse. Tu vas vivre ta vie de femme indépendante, parfaite. Tu vivras seule toute ta vie et tu seras heureuse. Et mes conseils t'auront servi à rien. Comment tu fais ? Est-ce que t'es vraiment ma fille ? Putain, arrête de me juger. C'est quoi cette obsession que vous avez tous ? Vous pouvez pas vous taire deux minutes avec vos regards ? Mettez-vous à ma place ! J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai deviné vos secrets. Quel secret, mon ange ? Toi, tu inventes toutes les histoires que tu nous racontes. C'est vrai ? Tu nous mens ? Non ! Enfin... Maman, tu trompes papa avec Laure. Pardon ? Mon ange, qu'est-ce que... Maman, je savais qu'il y avait quelque chose, tu... Tu me mens ? Et toi, papa ? Tu n'as jamais écrit de roman. Quoi ? Le roman ? Pendant 7 ans. Comment tu sais ça ? Tout ça pour ça ? Tout ça pour un mensonge ? Ma vie est devenue un enfer pour un mensonge ? Toi, t'es lesbienne. Vous avez menti tous les deux. Tu trompes, moi, je comprends plus ce qui se passe, en fait. Je crois pas. Tu me racontes des trucs. C'est mon fils. Pourquoi tu dis ça, toi ? Tu mens à tout le monde ? C'est pas possible. C'est quoi ce délire ? Taisez-vous ! Vous affronterez vos problèmes après. Ou pas, peu m'importe. Mais attendez que j'ai fini. Moi aussi, j'ai un secret. Je crois que je préfère pas l'entendre. Laisse-la parler. Je vais partir. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de raison de rester. Et tu vas partir où ? C'est pas encore décidé, mais c'est pas important. Mais tu vas partir quand ? Bientôt. Pourquoi tu nous le dis seulement maintenant ? Parce que j'étais pas sûre avant. C'est pour ça que ces derniers temps, j'ai enquêté. C'est pour ça que je vous ai posé toutes mes questions. Et que j'ai pris beaucoup de notes. J'avais besoin d'être certaine que je n'avais pas de raison de rester. Qu'est-ce qui m'empêche de partir ? Il y a deux types de raisons possibles. Première raison, rester pour vous. Deuxième raison, restez pour moi. Commençons par la première raison. La question qui se pose est, est-ce que vous avez besoin de moi ? Papa, je pensais que tu avais besoin de moi pour écrire ton roman. Parce que pendant 7 ans, je t'ai écouté en parler et je t'ai aidé à l'écrire. Mais tu n'écris pas de roman. Alors tu n'as pas besoin de moi. Toi, je pensais que t'avais besoin que je t'écoute. Pour me raconter tes histoires. Et pour exister à travers elles. Mais tu les inventes. Et maintenant que tout le monde le sait, tu vas devoir apprendre à vivre autrement. Alors tu n'as plus besoin de moi. Maman, je pensais que t'avais besoin de moi pour te réconforter. Parce que ta vie me paraissait douloureuse.
Mais j'ai compris que je ne soulage pas ta souffrance. Je la provoque. Alors tu n'as plus besoin de moi. J'ai ainsi conclu que personne parmi vous n'avait besoin de moi. Je me suis donc penchée sur la seconde catégorie. Restez pour moi. La question est la suivante. Est-ce que je vous aime ? La réponse est non. Je n'ai pas envie d'être auprès de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Je ne vous aime pas. Et puisque j'ai ainsi épuisé toutes mes raisons de rester, j'ai décidé de partir. Soyez pas choqués. Pensez-y 2 minutes. Quelle relation j'entretiens avec vous ? Sur quoi c'est fondé ? Sur la pitié ? Sur le respect ? Sur la politesse ? Sur le devoir ? Sur l'habitude ? Sur la dette ? Ne pensez pas que je pars parce que je vous déteste. Vraiment. Je pars simplement parce que je n'ai pas de raison de rester. Je ne sais même pas si vous trois, vous avez encore des raisons de rester ensemble. Et comme j'ai dit avant, ça m'importe peu. Ou peut-être que ça m'importe au fond. Et que je refuse de me l'avouer. Je suis désolée d'avoir été comme ça. Je suis pas aussi froide que j'en ai l'air. Mais ça m'a aidé à rompre le lien. Ça n'en a pas l'air, mais c'est difficile de se séparer définitivement de sa famille. J'essaie juste de rendre les choses plus faciles.